Exactement à l'image des défilés haute couture qui annoncent les tendances de la mode, le CIAL, le Salon International de l'Alimentation, lui, il annonce les tendances culinaires à venir. Et c'est Isabelle Martinet qui a poussé son chariot pour nous rapporter de bonnes idées. Mais de bonnes idées parce que le CIAL, c'est vraiment le laboratoire international de l'innovation alimentaire parce que en fait, il s'agit de 8 salons qui se déroulent à travers le monde sur tous les continents. Le salon parisien se tient actuellement à Villepinte jusqu'à ce soir. Oui. C'est tout le parc d'exposition de Villepinte. Donc ça veut dire précisément 7200 exposants pour un peu plus de 160 000 visiteurs. Donc il y a beaucoup de monde. C'est vraiment le grand rendez-vous, la grande rencontre entre l'offre industrielle et les acheteurs, la distribution, dans un objectif qui est toujours le même, satisfaire les attentes consommateurs. Alors, comment on se situe, nous, consommateurs, par rapport à ça? Évidemment, on veut de la transparence alimentaire. Évidemment, on veut de la naturalité. Mais je crois que la dernière actu, c'est vraiment qu'on a pris conscience qu'on est, nous aussi, un maillon de la chaîne alimentaire et que notre mode de consommation joue un rôle. Oui. Ça, c'est important. On peut influencer. On peut influencer dans notre façon de choisir les produits. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui contribuer à la lutte contre le gaspillage alimentaire. On veut préserver l'environnement, le bien-être animal. Et tout cela, les industriels en tiennent compte de ces attentes, avec en prime, évidemment, le fait que ça doit correspondre à notre mode de vie d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que ça doit être pratique, ça doit être micro-ondable. On n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Voici ce que ça donne en image. Nous avons suivi le directeur général du CIAL avec une petite visite guidée et une sélection d'innovations. On peut dire que le consommateur a vraiment évolué dans ses attentes. On peut parler d'un véritable virage. Aujourd'hui, il a 3 attentes principales, que sont vraiment le goût, le vrai et le sens. Donc le goût, c'est évidemment le plaisir. On mange pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Le vrai, c'est pour vraiment comprendre ce que l'on mange, avoir une véritable information. Et enfin, le sens, c'est pour comprendre quel impact notre propre consommation a sur l'environnement et sur la société. Nous proposons des petites portions surgelées bio pour les bébés à partir de 4 mois. C'est en quelque sorte le petit pot du futur. Grâce à ces petites portions, la maman va composer elle-même le repas de son bébé en quelques instants à partir de notre gamme qui se constitue de 25 produits, des purées de légumes bio, des purées de fruits bio, des petits hachés de viande et de poisson et des petits bâtonnets à manger avec les doigts pour les bébés qui ont grandi à partir de 12 mois. Gamme de légumes issus de l'agriculture raisonnée, sans aucun résidu de pesticides, mis dans des emballages biodégradables. Et de plus, nos usines utilisent tous les résidus de légumes pour alimenter l'usine en énergie. Alors cette année, notre innovation, c'est une gamme de soupes à base de légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, un format nomade à consommer chaud ou froid, le tout en bio. C'est un repas complet destiné à toutes les personnes de tous âges, composé de légumes coupés en petits morceaux, de fruits comme la pomme et le raisin pour apporter le côté sucré et également source de protéines avec le quinoa blanc et le quinoa noir. Le repas se prépare en moins de 3 minutes au micro-ondes. L'industrie agroalimentaire a bien pris toute la mesure de ces nouvelles attentes consommateurs et on a plus de 400 000 produits du monde entier à découvrir au service de cet objectif. Le mot d'ordre, Isabelle, redonner du sens à notre alimentation. Absolument. C'est vraiment le fil conducteur de cette année, de cette édition, et de la part des fabricants et de la part des consommateurs. Vous avez vu, il y a 400 000 produits qui sont proposés. Donc, on va arriver à faire le tri. Ce sont que des produits qui soit viennent de sortir, soit vont sortir là, tout de suite ou dans les prochains mois.